Pourquoi faire un métier qui a du sens est aujourd'hui primordial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre formateur au coaching à l'accompagnement. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous sentez que le métier que vous réalisez actuellement n'est pas celui qui vous fait vraiment vibrer. Vous sentez que vous n'avez pas ce qu'on appelle un métier passion, un métier que l'on peut réaliser tous les jours avec le grand sourire. Alors bien évidemment, il y a toujours un petit peu de stress, hein, comme dans toutes finalement les situations du quotidien, mais un métier qui donne du sens à votre vie. Et je voulais faire cette vidéo parce que dernièrement, j'ai réalisé une conférence. Je me suis déplacé à Raleigh, qui est en Caroline du Nord, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis. C'est une ville vraiment géniale, très charmante, et on réalisait une conférence devant des centaines d'entrepreneurs où j'ai eu la chance de rencontrer Evan Carmichael. Alors, Evan Carmichael, il n'est pas très connu en France, mais il l'est beaucoup plus aux États-Unis. Ça a été le premier « YouTuber » entre guillemets à faire des vidéos qui donnent des leçons. Donc en gros, les 10 leçons de Steve Jobs, les 10 leçons de Barack Obama sur le charisme, sur la confiance en soi, sur l'entrepreneuriat. Donc il a démocratisé en fait des vidéos de motivation. Et il est venu présenter son dernier livre, l'un de ses derniers livres qui était « Built to Serve ». En gros, « Bâti pour servir ». Et dans ce livre, en fait, il explique que quand il a étudié toutes les études scientifiques, l'être humain, on a un besoin principal, c'est de se sentir au service d'une cause ou d'une personne. Quand on sent qu'on apporte notre pierre à l'édifice, à ce monde un petit peu gigantesque qui nous entoure, on a cette sensation de plénitude, de zénitude et finalement d'importance. On se sent important dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se sent vivant. Et en discutant avec lui, avec les études scientifiques, j'ai compris une chose. Avoir un métier qui a du sens pour nous, c'est primordial parce que c'est à cet instant précis que vous allez faire des choses où tous les matins, vous savez pourquoi vous vous réveillez. Alors, le fameux « pourquoi » que vous allez retrouver dans mon ouvrage « Écrit ta légende » puisque c'est le troisième pilier. Alors oui, j'ai sorti un livre aux éditions Le Duc qui a fait un petit carton et je vous invite vraiment à pouvoir vous le procurer. Dedans, le troisième pilier, c'est le fameux « pourquoi ». Quand on a une vie qui a du sens, quand on sait pourquoi on se réveille chaque matin, quand on sait pourquoi on fait des efforts, des sacrifices, des actions, notre cerveau intègre l'information et ça devient beaucoup plus facile. Prenons un exemple très simple. Si je vous dis « demain, je veux que tu te réveilles à 4h du matin », vous allez me dire « pourquoi ?» et vous n'allez pas être motivé. Si je vous dis « demain, tu te réveilles à 4h du matin parce qu'on doit partir, on a un vol pour Punta Cana », là, tout de suite, on sent qu'il y a une raison valable, le cerveau va le prendre en compte. Et donc finalement, tous les efforts que vous allez réaliser vont devenir beaucoup plus simples. Aujourd'hui, faire un métier qui a du sens pour vous, c'est primordial. Premièrement, parce que vous allez enfin être dans votre mission de vie. En tout cas, vous allez enfin répondre à cette fameuse question « Pourquoi est-ce que je fais ces actions-là » Deuxièmement, faire un métier qui a du sens, c'est se sentir important. C'est de savoir aussi qu'on va contribuer à rendre ce monde meilleur et qu'on le veuille ou non, c'est scientifiquement prouvé que ça nous aide à aller mieux, ça nous aide à avoir plus de bien-être, plus de clarté, plus de positive attitude également. Le troisième point sur, et là c'est une raison très factuelle, pourquoi faire un métier qui a du sens? Parce qu'on y passe majoritairement la moitié du temps. On va passer 8 heures au boulot, 8 heures à dormir, donc 8 heures à dormir, on les met de côté. 8 heures au boulot, 8 heures à la maison, 8 heures avec les enfants. Et donc, d'une certaine façon, on est à 50% au boulot. Et même quand on est à la maison, généralement, on pense au travail. Donc, imaginez-vous que vous soyez condamné à faire un métier qui ne vous passionne pas, un métier dans lequel vous n'avez pas d'excitation, vous n'avez pas ce sentiment d'existence. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il y a autant de burn-out et, écoutez bien, autant de ruptures amoureuses. Parce que c'est vrai que le fait de ne pas se sentir bien au travail, ça va répercuter sur tous les domaines de notre vie et on se retrouve à un moment donné où on perd tout. Alors, j'ai envie de vous éviter cela. Et vous le savez, je suis le fondateur de l'Institut de formation au coaching, à l'accompagnement dans l'humain. C'est-à-dire qu'on vous forme, on vous accompagne, on vous aide à devenir coach, mais pas que, puisqu'on vous forme également en programmation neurolinguistique, la PNL, en neurosciences, en process communication. Donc, on vous aide vraiment dans une formation transversale où vous allez avoir énormément d'outils qui vont à la fois vous aider vous personnellement, mais également qui vont vous permettre de vous créer un nouveau métier qui a du sens, qui est important et qui va contribuer à faire en sorte que d'autres personnes
puissent profiter de votre savoir, de votre énergie et finalement de votre personnalité. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous accompagner à considérer que faire un métier qui est important et qui a du sens, c'est un métier qui va vous permettre de donner du sens à votre quotidien, qui va vous permettre de vous réveiller chaque matin avec un énorme sourire, la grosse banane comme on l'appelle. Et puis troisième point, c'est juste que vous allez pouvoir aussi tester vos capacités. Parce que quand on est dans un métier qui ne nous correspond pas, on fait des choses qui, à un moment donné, ne nous correspondent pas clairement et donc qui ne nous permettent pas de tester nos vraies limites, nos vraies capacités, nos vrais niveaux en quelque sorte. Tout ça, on va le mettre en place ensemble. Ce que je vous invite à faire, c'est cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous avez une heure de formation pour vous présenter le métier de coach, le métier d'accompagnant dans l'humain. Et vous allez voir que ça peut vraiment bouleverser. Tout ça, c'est gratuit. C'est dans la description qui est juste en dessous. Bien évidemment, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on va vous accompagner à vraiment vivre de votre passion. C'est quelque chose que j'ai la chance de faire depuis 2007. Ça a changé radicalement ma vie. Ça a changé la vie de plus de 500 élèves que j'ai formés justement également. Autant vous dire que j'ai envie que vous soyez la prochaine personne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui devrait vous plaire.